Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur la chaîne de Hacking 1-99 de pronostics sportifs. Et bien sûr, bienvenue pour les nouveaux membres qu'il vient justement de s'abonner à ma chaîne. Vous êtes le bienvenu. La dernière fois j'ai fait une vidéo ou un tuto sur un script de Apple of Fortune. Je vous avais dit que c'est justement une arnaque et que le script, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui l'arnaquent leurs frères justement pour l'argent, pour 100 dollars, 50 dollars, pour des euros, je sais pas. Et bien sûr que le script, vous pouvez peut-être le trouver gratuit, bien sûr ailleurs, mais je sais pas ce que vous pouvez le trouver sur YouTube. Mais moi, je suis ici pour vous aider pour avoir ces scripts gratuits. Justement pourquoi? Parce que ces scripts, c'est pas moi que je l'ai fait. Alors si c'est pas moi que je l'ai fait, c'est pas moi que j'ai travaillé sur ce script. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup fait d'efforts pour avoir ce script. Bon, pourquoi pas, je le partage pas avec mes amis, avec mes abonnés. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces scripts gratuitement. Et vraiment, ça m'a cassé la tête quand je vois les gens arnaquent leurs frères pour quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Bon, voilà. Bon, alors, après la vidéo que j'ai fait sur Apple of Fortune, il y en a pas mal qui m'ont demandé le script de Temple. Bien sûr, il y a aussi un script de Temple. Bien sûr, comme vous voyez ici, il y a pas mal de vidéos, mais bon, excusez-moi pour ce mot, mais c'est justement des arnaqueurs. Bon, vous voyez, quand on ouvre une vidéo, vous n'allez pas trouver le lien. Vous n'allez pas trouver le lien du téléchargement. Je ne vais pas entrer dans les droits d'auteur. Mais bon, regardez, dans la description, il n'y a pas de lien du script. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Bon, il va vous demander de lui contacter. Et après, il va vous demander 100 dollars ou je ne sais pas. Ce lien que vous voyez ici, c'est justement un lien de OneXBet. Pas plus. Avec un code de promo. Pas plus. Alors, moi, je suis ici. Vous allez trouver le lien du script pour le télécharger dans la description. Alors, ne vous en faites pas. Ce n'est pas quelque chose de facile à l'installer. Et aussi, pour Apple Fortune, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment installer. Mais malgré ça, j'ai tout fait sur la vidéo. J'ai bien expliqué. Il suffit justement de suivre les étapes. Pas plus. Suivez les étapes. Et ça fonctionne à 100%. Mais pour gagner à 100%, je sais pas, mais je suis pas sûr. Bon, comme vous voyez, Temple Script, ce jeu de Temple, c'est un jeu avec des, comment dire, avec, comme vous voyez ici, il y a une petite photo ici avec trois verres qui sont transparents, que vous pouvez voir des balles. Mais si vous ne faites pas ce script, vous n'allez pas voir les balles où se trouvent. Mais avec ce script, il va vous aider de voir la balle où se trouve exactement. Et vous devez choisir le vert où se trouve la balle. Bon, peut-être vous allez choisir le vert où se trouve la balle. Mais vous savez, avec OneXBet, bon, il peut faire tout. Il peut justement la changer. Il peut changer la place au vert que vous n'avez pas choisi. Vous voyez? Bon, comme toujours, je vous avais dit, je vous ai expliqué comment installer le programme ou le script que je vais vous donner dans la description. Bon, comme toujours, il faut justement télécharger le navigateur de Flow qu'on voyait ici. Vous pouvez justement trouver sur Play Store. Ensuite, il suffit justement d'ouvrir Flow. Voilà, ensuite le mode développement pour celui qui télécharge la première fois ce navigateur, il va être mode développement, il va être désactivé. Il suffit justement de l'activer. C'est comme ça que vous faites pour installer le script. Ensuite, vous allez cliquer sur load. Mais maintenant, vous devez déjà télécharger le programme que nous avons ou le script. Alors, je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, voici le lien. Il est gratuitement. Il n'y a aucun mot de passe. Il n'y a rien du tout. Il suffit justement de cliquer sur le lien.
vous allez être dirigé vers le site de Mediafire. Une fois, je vais justement le coller sur la barre d'adresse. Lien copié. Voilà. Alors, je vais justement le télécharger. Comme vous voyez maintenant, je crois que... Bon, vous voulez vous télécharger de nouveau parce que je l'ai déjà téléchargé. Bon, vous n'allez pas recevoir ce message, mais pour moi, j'ai déjà téléchargé ce programme. Alors, je vais faire re-télécharger ou télécharger, j'ai pas de problème. C'est justement pour bien vous expliquer comment ça télécharge ou comment ça marche. Bon, voilà. Alors, ne faites pas ouvrir, seulement si vous voulez savoir où se trouve votre fichier. Si vous ne savez pas quel dossier... votre programme a été où il a été placé pendant le téléchargement. Bon, par exemple, maintenant il m'a dit qu'il est impossible d'ouvrir. Bon, c'est pas grave, on va justement cliquer sur les trois petits points, ensuite extension, ensuite vous allez cliquer sur load ou load, et on clique sur uniquement cette fois. Et on attend quelques secondes et on clique sur fichier. Et alors là, bon, on doit trouver dans quel dossier notre script où il a été téléchargé. Bon, je vais justement faire une pause parce que ça va. Bon, voilà. Je veux justement faire une pause pour trouver où mon programme a été, sauvegardé pendant le téléchargement. Alors, on continue notre vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas où leur programme a été téléchargé, où il a été déplacé pendant le téléchargement, le plus facile, ce qu'ils utilisent pour le téléchargement Google Chrome. Ils téléchargent le fichier sur Google Chrome. Ensuite, ils peuvent le chercher. Ils peuvent faire sur le navigateur Flow. Ils cliquent sur les comme ça, sur les trois petits traits qui sont en haut à gauche. Ensuite, il clique sur téléchargement et il va trouver le script. Il va justement cliquer sur le script comme ça. Ensuite, il va s'installer automatiquement sans rien faire. On attend quelques secondes. Bon, je crois qu'il n'a pas été bien installé. On va recommencer. On va recliquer. Et voilà. Maintenant, il est très bien installé. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement cliquer sur... la barre d'adresse, on va écrire OneXBet parce que sur l'application ça va pas marcher, bien sûr. L'application il n'accepte pas les scripts. Bon, il laisse exactement les fichiers de leur site comme il est. Alors, une fois que vous êtes sur le site, vous allez cliquer sur le petit carreau en bleu justement pour se connecter. Ensuite, bon, ça dépend est-ce que vous êtes si vous avez vérifié votre compte avec votre numéro, c'est préférable de vous connecter avec votre numéro et votre mot de passe. Sinon, si vous n'avez pas vérifié votre compte avec votre numéro, vous pouvez utiliser votre adresse email ou votre identification. Alors, pour moi, j'ai utilisé les deux, j'ai pas de problème. Alors, je me connecte.
Et aussi, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé que dans ce site ou de ce navigateur, quand j'essaie de me connecter, ils me demandent de me connecter avec un numéro ou ils me demandent le numéro de téléphone. Oui, ben c'est normal, c'est justement pour la sécurité, pas plus. Une fois, si vous êtes, si c'est la première fois, bien sûr, il va vous demander d'enregistrer votre numéro. Vous allez faire votre numéro. Bien sûr, les deux derniers numéros, vous n'allez pas les écrire. Ils sont déjà écrits. Ensuite, vous allez cliquer sur confirmer. Ils vont vous envoyer un code sur votre par SMS, un code de 6 numéros. Ensuite, vous allez justement l'enregistrer sur la case où il vous demande le numéro. Ensuite, le compte va s'ouvrir automatiquement. Bon. Après avoir ensuite voilà, nous sommes sur la surface du OneXBet, sur Flow. Ensuite, je vais cliquer justement sur les trois petits traits. Ensuite, OneX Game. S'il vous plaît, justement, suivez les étapes pour l'installation du script. Il n'y a aucune solution pour l'installer. C'est la seule solution pour l'installer, c'est justement de cliquer sur le script et il va s'installer automatiquement. Ensuite, ce sont les jeux qui sont sur OneX Game. Alors, on cherche sur Temple. Voilà. On clique. On attend quelques secondes jusqu'à ce que la page se télécharge. Bon, voilà. Pour moi, je vais pas faire une mise, une grande mise. Je vais justement vous montrer parce que je sais vraiment que ça marche pas à tous les coups. Alors, même pas, ça marche même pas dans les coups. Mais bon, alors je vais justement. Écoutez, si vous faites pas de la mise, vous pouvez pas voir les verres transparents. Vous devez faire la mise, ensuite jouer, et après vous allez voir que les verres qui sont transparents. Alors vous allez choisir une seule balle ou deux balles. Alors je choisis deux balles, jouer, regardez. Les verres, ils ne sont pas disponibles, mais on attend quelques secondes. Et voilà, boum, vous voyez, il y a le premier, le deuxième, et celui, il est vide. Mais est-ce que vraiment ça marche? Bon, je sais pas. J'ai gagné. Mais vraiment, est-ce que ça marche? Je sais pas. Je vais recommencer. Vous allez voir que c'est pas vraiment quelque chose de très sûr. Il faut se méfier de ces scripts ou d'acheter ces scripts. Oh voilà, et on a 3 balles sur. Vous savez, ça marche pas du tout. C'est pas une bonne idée de jouer avec les scripts ou de jouer ces jeux-là. Définitivement. Ben c'est vide. Essayez encore. Vous voyez, ça marche pas. Bon, j'espère que vous avez compris. Vous avez tenu une petite leçon que les scripts que vous voyez sur les chaînes YouTube ou les canaux ou sur les sites, ils ne sont pas vraiment des scripts qui sont à 100%. C'est justement une arnaque, pas plus. D'accord? Bon, je vous souhaite une belle soirée. Et bien sûr, la nouvelle vidéo qui va venir, il parle aussi d'un script ou d'une application de crash. Ça veut dire de Aviator. Alors, aussi, ils disent qu'il y a une application qui donne des prédictions. Quand l'avion il va être crashé ou il va être explosé. Bon, c'est la photo que vous voyez devant vous, mais bon, je sais pas est-ce que c'est vraiment juste, mais l'application elle est dans ma main, mais il demande toujours un email et un mot de passe. Vous voyez, mais l'email et le mot de passe ils ne sont pas encore dans ma main. Une fois que je les aurai, ils seront à vous gratuitement. Je vous souhaite une belle soirée.